Salut à tous, c'est Macradan. On se retrouve pour un nouvel épisode de Custom Skyblock que je tourne quelques semaines après le dernier. Donc la dernière fois, je vous avais laissé, donc j'avais terminé cette partie, cette ferme à arbres, et je commençais la zone de plantes. Donc entre-temps, la map est sortie en version 5, mais le créateur de la map a mis en place des commandes qui permettent de passer automatiquement de la version 4 à 5, donc c'était de la correction de bugs, de l'ajout de recettes. Donc du coup, je peux directement continuer sur cette nouvelle version. Donc aujourd'hui, mon but, ça va être d'avancer sur cette zone de farm. Farmland, c'est le nom du bloc, sauf erreur. Et donc pour ça, j'ai vérifié l'hydratation, j'en avais parlé la dernière fois. Si je mets un bloc, une source d'eau ici, je peux hydrater en fait jusqu'à 4 blocs dans chaque direction, y compris dans la direction diagonale. Je vais aussi faire aujourd'hui, je vais relever un peu le plancher ici pour pouvoir atteindre plus facilement cette zone. Donc je me rappelle plus si lors de l'épisode j'avais déjà mis ces 4 blocs, mais si c'est pas le cas, en tout cas, ben les voici. Faut que les choses me reviennent un petit peu, ça fait quand même un petit moment que j'ai pu tourner. Donc, pour l'eau. Est-ce que j'ai la recette qui est ici? Ah, je crois qu'il a mis toutes les recettes ensemble, le créateur de la map. Il a toutes les recettes sur la même catégorie de Custom Craft, c'est un petit peu dommage. Donc là, j'ai pas la bonne recette. Du coup, je vais vite aller vérifier. Comme ça, ça me fera un petit récapitulatif. Alors, mon livre de liaison, il est dans le coffre, logiquement. Donc, une fois que cette partie sera terminée, que je commencerai à avoir un apport en nourriture après, je pense que la partie suivante, ce sera de construire une ferme, une usine à mobs, quelque part par là, j'imagine, le plus opposé du reste. Donc je sais pas si je pourrais commencer ça dans cet épisode. Alors, dirt, bone meal, water bucket. Oups. C'est donc des saplings tout autour et un seau. Et pour retourner, c'est par là-bas. Non. C'est le premier bouton. Ça se voit que j'ai plus joué sur cette map depuis un petit moment. Bon, alors ça, j'aimerais bien essayer de régler ce problème une fois pour toutes. Voilà, ça suffira sûrement pas, mais ça me fera déjà un petit peu amorti, parce que là je me prends quand même une grosse chute. Donc les saplings, j'en ai pour l'instant pas assez. Donc on va continuer. C'est ma première priorité. Dès que je vois un arbre qui pousse, faut que j'aille le casser et replanter. Vu que j'ai besoin de 8 saplings juste pour fabriquer la source d'eau. Idéalement, il me faudrait 2 sources d'eau. Comme ça, je peux fabriquer après une source infinie. Donc là, j'en ai pas sur moi de saplings. On va attendre que ça tombe. Pour l'instant, on coupe ici. Vu que je vais relever les planchers de ma zone de ferme. Notification Facebook, on verra si je pense à l'effacer en post-production ou si j'oublie. Donc je disais, vu que je vais mettre un petit peu de hauteur, les mobs pourraient potentiellement spawner sur cette zone, donc il faudra que je mette des torches. Alors j'ai plus d'outils, du coup je vais m'en refabriquer un. Je vais peut-être même m'en fabriquer 2. Parce que ça part vite, vu que c'est des outils en bois.
Ah, et mes saplings commencent à arriver. Donc ça, on va mettre ceux-là ici, un ici, un ici. Voilà, on finit de casser l'arbre, normalement ça devrait pouvoir despawn maintenant toutes les feuilles. Pour l'instant je vais continuer le plancher. Enfin, est-ce que je continue si j'ai... Donc 1, 2, 3, 4, ça va jusqu'ici, donc en fait il faudrait juste que je relève le plancher sur la bordure extérieure. Et donc ça fera 1, 2, 3, 4 et la bordure va jusqu'ici. Donc bien sûr là ce sera la configuration au maximum avec une source d'eau pour avoir un champ complet. 1, 2, 3, 4, ça c'était juste, donc la bordure elle va jusqu'à cette zone visible. J'ai pas regardé par contre pour la pousse des arbres, je regarderai une autre fois. Pour l'instant je peux me contenter de des tailles un peu plus grandes, ça dérange pas trop. 1, 2, 3, 4 et la supplémentaire pour le bord. Et donc normalement je peux retourner. Jusqu'ici, voilà. Donc ça va être toute ma zone, ça. Je vais directement profiter pour faire la barrière de protection. Il faudra que je vérifie aussi la recette. J'aurais dû vérifier toutes les recettes. Pour faire de la terre, de mémoire, c'était... une planche, un sapling et un stick, il me semble. Donc voilà, ça c'est fait. Par contre, logiquement, les mobs peuvent spawner ici. Donc on va mettre une lumière ici et une de l'autre côté pour l'instant. Donc ça suffit largement pas. Donc il faudrait que je m'en fasse plus. Alors est-ce que je leur cède des torches ? Bien sûr, c'est une recette là-dedans. Donc, un stick et une planche. On va faire 4 sticks. Oups. Ça, je vais les garder. 4 sticks, 4 planches. Ça me fait 4 torches. Je peux en mettre une encore à chaque angle ici. Je vais aussi mettre aux deux angles. C'est vraiment vraiment du temporaire. Puis je vais en faire encore deux de plus. Je préfère assurer le coup. 4 de plus. Parce que si j'ai des monstres qui spawnent maintenant, ça va être la panique. Panique totale. Voilà, de ce côté c'est bon. Je récolte mes précieux saplings. C'est bien, là j'ai une bonne collecte. Du coup, je coupe ces arbres. Je pense que je vais pouvoir faire ma source d'eau tantôt. Et planter mes premières graines. Alors, un sapling ici. Un ici. Enfin, terminons déjà. Voilà. Du coup, là j'en ai 5. Ce que j'en avais dans le coffre. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Le seau. Et j'ai ma source d'eau. Parfait. Donc,
Pour l'instant, je vais faire qu'une source d'eau, j'en rajouterai la deuxième par la suite. Une petite torche pour éclairer la zone. On récupère l'autre. Maintenant, normalement, je peux faire mes farmlands. J'en fais que 3 pour l'instant, je laisse la torche. Je vais juste me faire un promontoire. Faudrait que je mette... En fait, je peux enlever la torche tant que je reste dans la zone. Je mets ça et je mets une planche ici. Comme ça, j'ai ma lumière. Et je peux directement m'occuper de ça. Bien sûr, j'ai pas pris les graines avec avant. Ce serait trop simple. J'ai envie de faire beaucoup d'aller-retour aujourd'hui. Le temps de me rappeler tout ce que je dois faire, dans quel ordre. Pas de sapine de ce côté. Ça m'embête un peu. Ah, j'avais pas fait gaffe, j'ai récupéré le seau. C'est pas mal, ça me permettra, quand j'aurai assez de sapping, de faire ma deuxième source, de faire ma source d'eau infinie. Elle ne va pas tomber. Et voilà. Là, j'ai pas besoin de pousser la culture plus que ça. Ça va pousser tout seul. Excusez-moi, vous entendez peut-être, je suis un petit peu enrhumé. Pendant que tout se passe bien là-bas, je vais commencer à creuser. Enfin, à ouvrir le passage de ce côté. Ça va être la future usine à mobs. Donc ça va être quelque chose de très simple, vu qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'autres zones spawnables. J'ai pas besoin de faire un truc très compliqué. Bon, je vais essayer de bien penser à mettre des torches pendant que je le fais, pour pas qu'il y ait de mobs qui spawnent au moment où c'est que je suis en train de faire quelque chose d'autre. Donc on va le mettre assez loin. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Je pense que c'est pas mal, 10. Je vais couper les arbres. Donc ça va être un système entièrement manuel. Enfin, entièrement manuel, entièrement non automatisé. Avec juste une zone spawnable. Un trou de 2x2 au milieu. Et à force de spawner, les monstres vont se pousser et ils vont tomber. Je rajouterai peut-être de l'eau par la suite. Mais pour le début, je peux faire quelque chose de simple. Et ils vont tomber donc d'une certaine hauteur sur une... Tiens, j'avais oublié de mettre une marche ici. Ils vont tomber en fait sur une zone qui sera fermée. Comme ça, s'il y en a un qui survit, parce qu'il a des bottes, un squelette qui aurait des bottes Feather Falling, il va pas commencer à me canarder depuis la zone d'arrivée. Et ça continue à pousser. Enfin aussi, je regarde comment faire de la cobblestone plus tard, vu qu'il me faudra une zone en cobblestone qui résiste au feu. Donc on remet ici. On remet ici. Dans le sens, ça a poussé de ce côté. Je vais attendre que ça disparaisse avant de replanter. Puis je vais faire une mini ellipse, le temps de vérifier mon modèle de ferme. Enfin d'usine à mob. Donc je vous retrouve tout de suite après. Voilà, on se retrouve. Donc j'ai vérifié mon modèle. Donc ça va être un modèle assez simple. C'est qu'il y aura des plateformes de 3x3. Espacées de 2 blocs. Donc ça fait... 8 en fait de largeur, donc 10 en comptant la bordure, donc j'ai bien calculé mon passage ici. Et je vais placer ma chambre de spawn à 25 blocs de haut, parce qu'il faut 25 blocs pour tuer
les mobs à coup sûr, sauf enfin les mobs qui ont des protections contre la hauteur. Et il faut 22 blocs pour les laisser à 1 PV. Donc de cette manière, en fait, je pourrais par la suite activer ou désactiver un piston qui changera la hauteur de chute. Et de cette manière, en fait, décider si je vais plutôt collecter de l'XP, donc à ce moment-là en devant les tuer moi-même, ou si je vais laisser le système automatique de récolte. Et donc pour l'instant, je vais commencer à faire le système, mais sans récolte automatique ni rien. Donc c'est-à-dire que les loots vont rester au niveau du sol, mais je pense pas que ce soit si grave. C'est vraiment pour l'instant la première version sur laquelle je vais travailler. Donc c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais même mettre ici ma plateforme de réception. Et à côté, il va y avoir ici la pile qui me servira pour faire monter mes mobs. D'ailleurs, je vais plutôt faire ma plateforme de réception à hauteur normale plutôt que de faire avec un plancher comme ça. Par contre, je vais l'éclairer pour pas qu'il y ait de mobs qui puissent spawner à cet endroit-là. Mon escalier pour monter, je vais plutôt le faire ici. Réflexion faite, ce sera plus simple. Dommage. Et donc on a dit que ça faisait. Il fallait 25 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est bien, je monte, mais j'ai pas de moyen de descendre. Je vais me préparer des échelles avant. J'ai encore un arbre qui a poussé. J'irai le chercher après. Enfin non, je vais aller le chercher maintenant. Comme ça, il y aura peut-être des saplings aussi à ramasser. J'essaie d'être un petit peu plus organisé. Alors, il y avait quelques saplings. Ici. Je peux continuer à couper. Et je vais replanter direct. Si ça pousse par-dessus, tant pis. Ça ne devrait pas arriver. Donc j'ai dit que j'avais besoin de 25 blocs de hauteur. Donc 25 ici. Ensuite, ma plateforme, ça va être 9. Donc 18 par plot. Je vais avoir une allée centrale, c'est qu'il y aura des sources d'eau. Donc l'allée va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. Enfin, je préfère l'allée centrale avec des dalles en fait. Voilà. Bien sûr, j'ai tapé. Ah non, ils sont là, mes 25. Ça, je mets de côté. Donc, il va me falloir 25. 25 échelles aussi. Je vais commencer ici, mais je vais en refaire.
bien sûr, si j'enlève tout, ça va pas le faire. Alors, 6, 9, 12, 15, 18, 21. On manque encore un petit peu. Vingt-quatre, vingt-sept. Voilà, là j'ai assez d'échelle. Ensuite, il faudra que je mette mes plots, il m'en faut. Non, c'est bon. Je calcule à haute voix. C'est juste pour les plots, il faut que je protège aussi le dessous. Pour pas que les mobs puissent se glisser. Vous verrez en fait ce que je veux dire par la suite. Mais je pense qu'il y aura quoi? Il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Donc 20 protections. Le tout, ça va faire combien de côtés? Donc j'ai dit que ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de côté. Donc 40. Et j'aurais de toute façon pas assez pour faire tout le plafond. Mais ça m'empêche. Ça n'empêche que je peux quand même commencer. Pour l'instant, ce sera à ciel ouvert. Donc là, j'étais à 1. Ah, j'ai mélangé, pas grave. 1, 2, 3, 4. Je vais essayer d'être intelligent. C'est pas gagné. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà, là j'ai ma hauteur, la hauteur du trou entre guillemets, qui sera ici. Donc je peux faire mes allées qui serviront. Donc là il faudra que j'enlève. Ouais, je peux laisser ça comme ça pour l'instant. Il y a l'eau qu'en fait qui va défiler par ici. Donc j'avais dit que c'était 1, 2, 3. Tout se passe bien en bas, oui. Tout se passe bien. Donc les deux comme ça. 2. Et 2. Et là c'était 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc ça va être assez court comme voie d'eau, mais c'est pas grave. Ensuite, mes dalles. Je vais juste prendre encore des blocs aussi pour placer. Je vais aussi mettre un peu d'éclairage. On sait jamais. D'ailleurs, j'ai pas éclairé le sommet de mon bloc ici. Ouais, je pense qu'il y a plus de chances qu'un mob spawn là-haut pour l'instant parce que c'est pas très bien éclairé que là en bas. S'il y en a qui spawn là en bas, je lui réglerai son affaire. Il risque pas de me tomber dessus. Donc si je mets ça comme ça et celui-là, voilà. Là, je vais mettre dans les angles.
Bien sûr, là j'avais ma torche. Pile à l'endroit. Le seul endroit important. De ces planches. Donc c'était. 1, 2, 3. 2, 3. Ça peut paraître bizarre comme construction pour l'instant, mais vous allez tout de suite voir ce que ça donne. Donc là, bien sûr, j'ai pioché dans le mauvais tas. C'est pas très important. Comme ça. Et comme ça. J'enlève le superflu. Je vais me mettre assez près pour essayer de récupérer quand même ce qui tombe. Et le reste, je récupérerai après. Donc en fait, j'aurai une source d'eau ici qui va pousser. Jusque ici, la fois que je mette quelque chose pour empêcher l'eau de tomber. Et j'aurai mes fameux plots dont j'ai parlé avant. Donc, tac tac. On peut y revenir maintenant. C'était juste pour calculer le nombre de choses dont j'avais besoin. Donc, 2, 2, 2, 2. Puis là, en fait, je peux même mettre 1. Comme ça j'économise un peu de bois. Et là c'est ma première plateforme. Et les mobs en fait vont tomber par exemple ici. Donc ce que je vais faire. Je vais mettre des dalles pour l'instant pour empêcher le spawn. Et je supprimerai par la suite. De cette manière. Et je rejoins. Là j'aurais pu mettre des dalles aussi, mais par contre j'ai oublié d'en mettre par-dessus. Après ça consomme du bois, mais j'en ai quand même encore pas mal en réserve. J'en ai qu'en train de pousser. D'ailleurs, dès que j'ai fini ça, je pense que je vais terminer ces plateformes et j'interromprai l'épisode ici pour aujourd'hui. Et je vais peut-être avancer un petit peu hors caméra, comme ça là, lors du prochain épisode, vous verrez toute la structure sans le, avec l'eau et tout, mais encore à ciel ouvert. Et ça permettra de commencer le prochain épisode sur la mise en fonction de l'usine à mob. Mais là, pour l'instant, je vais aller faire ma petite récolte de bois. Là, j'ai pas de... Oula, ça, je crois que c'est un bruit. Il me semblait bien. C'est parce que j'ai pas dormi encore, j'ai pas... J'ai pas la possibilité de dormir à l'heure actuelle. J'ai pas encore de lit, il faut que je regarde comment fabriquer de la laine. Pour l'instant, je vais les laisser mourir. S'il pouvait ne pas me tuer. C'est la première fois que, depuis que j'ai repris Minecraft, que je rencontre ces monstres. Ils ont rien laissé derrière eux par hasard, non. Alors je vais juste regarder quand même comment faire de la laine. Eh bien, ça m'a dit comment faire... Un lit blanc. Pas la recette du lit normal. Donc avec du fil. De quelle manière fabriquer du fil? Dirt, bone meal, water bucket, string. Stick et bone meal. Donc je vais vite me faire un lit.
comme ça, je règle ce problème pour la prochaine fois, parce que là, j'ai quand même eu un peu mal. Il en faut combien? Voilà, parfait. Ah non, il m'en faut encore un. Voilà. Et voilà. On va le mettre là. Je peux pas encore dormir. J'ai dit que je m'occupais de couper ces arbres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou sur Facebook. J'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Il y a également un lien vers la map si vous voulez la tester. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ou un pouce bleu, comme ça vous montrez que vous avez apprécié. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.